Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Le grand défilé ». Un autre verset à mémoriser est tiré du psaume 98, le verset 1. « Chantez à l'Éternel ». As-tu vu l'âne? Jésus s'apprête à monter sur l'âne. Tous les deux feront partie d'un grand défilé. Les garçons et les filles veulent voir Jésus, les adultes aussi. Regardez, c'est Jésus là-bas, crient les enfants. Tous veulent voir Jésus. Il avance lentement, il se tient tout droit assis sur l'âne comme le ferait un roi. « Il pourrait être notre roi !» chuchotent les adultes. La foule est dans la joie. « Hoa pour le roi Jésus ! Hosanna, fils de David ! Hosanna !» la foule crie. Les enfants saluent de la main Jésus avec beaucoup d'énergie. Et le petit âne marche, clip, clop, clip, clop. Les gens enlèvent leur manteau et couvrent le chemin. Clip, clop, clip, clop. L'âne marche sur les manteaux. Quel défilé! Un spectacle plein de couleurs et de bruit. Vois-tu les feuilles de palmier? Les enfants agitent les feuilles de palmier. Tout le monde agite les feuilles de palmier pour acclamer Jésus. Hosanna! Crie-t-il. Hosanna à notre roi. Le défilé approche. Clip, clop, clip, clop. Jésus est notre roi et nous aussi nous pouvons agiter des feuilles de palmier. Nous pouvons aussi chanter des louanges à Jésus. Hosanna au fils de David, Hosanna au roi des rois, Hosanna, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais regarde, des hommes sont fâchés. Comptons-les. 1, 2, 3. Trois hommes très énervés. Ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. Faites taire les enfants, dirent-ils. Mais le défilé continue. Et Jésus dit, laissez les enfants tranquilles. Clip, clop, clip, clop. L'âne continue à avancer. Hourra pour Jésus! Hourra pour Jésus! Crie la foule. Jésus regarde la grande ville devant lui. Ô Jérusalem, Jésus aime ton peuple. Il aime tous tes enfants, mais vous ne l'aimez pas. Alors Jésus pleure. Jésus est triste. Ne pleure pas, Jésus. Nous t'aimons, Jésus sourit. Clip, clop, clip, clop, le défilé continue à avancer. Et l'âne aussi. Les enfants continuent à crier « Hosanna » en agitant énergiquement les feuilles de palmier. Quel défilé extraordinaire! Jésus aime lorsqu'on lui chante des louanges. Et nous pouvons le louer à l'école du sabbat, à l'église et à la maison. Alors, louons-le. Loue Dieu, toi cher petit enfant, Dieu t'aime. Loue Dieu, toi cher petit enfant, Dieu t'aime, il t'aime. Prions, tendre Père Céleste. C'est si bon de louer ton nom. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons toujours te louer. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Jésus aime t'entendre, lui chanter des louanges. À bientôt. Chers enfants, bonjour, c'est Lorena ici, et l'histoire que je vous amène aujourd'hui s'appelle « Jésus m'aime ». Aujourd'hui, notre verset dit comme ça, « Seigneur,
Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Il se trouve dans le livre d'Apocalypse, le tout dernier livre de la Bible, chapitre 4, le verset 11. Aujourd'hui, nous louons Jésus pour les choses difficiles qu'il a faites pour nous. As-tu déjà eu quelque chose de vraiment difficile à faire? Tu sais, Jésus a fait quelque chose de très difficile pour toi. Après le repas, Jésus et ses disciples marchèrent jusqu'en jardin. « Priez pour moi, » dit Jésus à ses amis. Puis il alla prier un petit peu à l'écart. Il savait qu'il allait mourir bientôt. « Père, » pria-t-il, « je ne veux pas souffrir, mais si c'est ta volonté, je l'accepte. » Dieu lui envoya un ange du ciel pour lui donner des paroles d'encouragement, de réconfort et d'espoir. Lorsque Jésus revint vers ses amis, il les trouva endormis, juste au moment où il avait le plus besoin d'eux. Vers le milieu de la nuit, les chefs juifs vinrent avec des soldats pour arrêter Jésus et l'amener chez le grand prêtre. Pierre suivit le groupe de loin. Il se glissa dans la cour et s'est assis près du feu que les gardes avaient allumé pour se réchauffer. Une servante le montra du doigt en disant « Cet homme est un des disciples de Jésus !» Pierre eut peur. « Je ne connais même pas Jésus !» exclama-t-il. Bientôt, un homme le regarda. « Tu dois être l'un des compagnons de Jésus !» dit-il. « Non, non, je ne suis pas !» insista Pierre. Plus tard, un autre homme scruta le visage de Pierre. « Cet homme doit être l'un des disciples de Jésus !» lança-t-il. « Je ne sais pas de quoi tu parles !» cria Pierre. Jésus entendit tout. Il regarda Pierre avec des yeux remplis de tristesse. Et Pierre se sentit terriblement mal. Comme il avait honte, il se précipita à l'extérieur de la cour en pleurant. Les gardes bandèrent les yeux de Jésus. L'un d'entre eux le frappa, tandis que les autres criaient « Tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé !» Les chefs juifs se réunirent et lui demandèrent « Es-tu le Messie ?» Et Jésus leur répondit, « Bientôt je serai assis à la droite du Père. » Le visage des chefs devint tout rouge et colère. Ils voulaient que Jésus meure, tout de suite. Ils pensaient que c'est tout ce qu'il méritait une personne qui se proclamait le Fils de Dieu. Mais les chefs juifs devaient d'abord avoir la permission du gouverneur romain, Pilate. Ils conduisirent donc Jésus au palais du Pilate. Ce dernier ne crut pas un mot de leur mensonge au sujet de Jésus. Mais comme il avait peur d'eux, il accepta finalement de faire selon leur désir. « Amenez-le » ordonna-t-il. Les soldats mirent une robe rouge à Jésus, rouge comme celle d'un roi. Ils lui fabriquèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Ils s'agenouillèrent et firent semblant de l'adorer, puis ils crachèrent sur lui. Jésus ne résista pas aux chefs et aux soldats. Son cœur était brisé. Mais il n'était pas en colère contre eux. Il leur pardonnait parce qu'il les aimait. Il allait mourir pour des gens qui lui avaient fait du mal. Jésus allait mourir pour toi et pour moi. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Pour moi ». Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui est ton meilleur ami? Accepterais-tu de souffrir pour aider cet ami? Y a-t-il quelqu'un que tu n'aimes pas? Ferais-tu tout ce qui est en ton pouvoir pour aider cette personne si elle était en difficulté? Je connais quelqu'un qui dirait oui à ces deux questions. Il a souffert et il est mort pour sauver tout le monde. Lisons son histoire. « J'ai examiné cet homme et il est innocent, » déclara Pilate. « Je le ferai fouetter puis je le libérerai. » Un grondement s'éleva de la foule. « À mort, tue-le !» « Relâche-nous, Barabbas !» La foule hurlait de plus en plus fort. C'était la coutume lors de la Pâque de libérer un prisonnier.
La foule demandait qu'un terrible criminel soit libéré et que Jésus, cet innocent, soit mis à mort. Pilate était le chef, mais il avait peur du peuple. Et finalement, il fit comme la foule le voulait. Il savait que Jésus n'était coupable d'aucun crime, mais il le livra à la foule. Et il fit sortir Barabbas de prison. Des milliers de personnes étaient alignées de chaque côté de la route, regardant Jésus vaciller sous le poids de sa croix. La plupart des gens riaient et se moquaient de Jésus. Ses amis et ses disciples pleuraient et gémissaient. Finalement, Jésus s'effondra. Il n'avait plus de force après avoir été battu et torturé. Les soldats saisirent un homme qui semblait très fort et qui se tenait tout près. Cet homme, Simon de Cyrène, fut obligé de porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent au lieu appelé le calvaire, l'endroit où les criminels étaient mis à mort. Les soldats poussèrent violemment Jésus sur la croix. Ils enfoncèrent de longs clous de fer dans ses poignets et ses pieds, puis ils soulevèrent la croix et laissèrent tomber le bas dans un trou creusé dans le sol pour qu'elle tienne droit. La douleur fut terrible. La crucifixion était la façon la plus cruelle et la plus douloureuse de tuer quelqu'un. Mais Jésus priait. « Père, pardonne ces gens, car ils ne savent ce qu'ils font. » La foule regardait pendant que les chefs riaient de Jésus. « Il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même, » ricanait-il. Les soldats aussi se moquaient de Jésus. Ils firent un écriteau qu'ils posèrent sur le haut de la croix de Jésus. On pouvait y lire « Celui-ci est le roi des Juifs ». Deux criminels furent crucifiés avec Jésus ce jour-là. L'un des hommes se moquait de Jésus. « Ainsi tu es le Messie. Prouve-le en te sauvant toi-même et nous avec toi. » L'autre voleur répondit « Nous méritons de mourir, mais cet homme n'a rien fait de mal. » Il se tourna vers Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. » Et Jésus lui promit de le faire. À midi, de profondes ténèbres couvrirent le pays. La lumière du soleil disparut totalement. Les ténèbres durèrent jusqu'à 3 heures de l'après-midi quand Jésus cria « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis, il mourut. La terre trembla, le rideau du temple se déchira de haut en bas. Seul Dieu ou ses anges pouvaient avoir déchiré cet épais rideau. Ce n'était pas la douleur horrible de la crucifixion qui avait tué le Christ. Le poids de tous les péchés du monde avait été déposé sur Jésus. Chaque péché qui avait déjà été commis et tous ceux qui le seraient encore reposaient sur lui. Il mourut d'un cœur brisé. Ce sont nos péchés qui ont tué Jésus. Un brave homme du nom de Joseph alla voir Pilate et demanda le corps de Jésus. Joseph mit le corps de Jésus dans un tombeau tout neuf qui avait été creusé dans le rocher, la tombe même où Joseph voulait être enterré un jour. Une grosse pierre fut roulée pour boucher l'entrée de la tombe. C'était tard, le vendredi après-midi. Tout était enfin paisible. Hello, content de te retrouver pour une nouvelle étude ayant pour titre « Deux sœurs très tristes ». As-tu déjà mis toute ta confiance dans un ami? Tu étais certain de toujours pouvoir compter sur lui. Quels ont été tes sentiments le jour où il t'a laissé tomber? Pourrais-tu de nouveau lui faire confiance? Marie et Marthe connaissaient si bien leur ami qu'elles faisaient confiance à son amour, même lorsqu'il a semblé les laisser tomber. Ouvrons nos Bibles et trouvons nos réponses. Lazare de Béthanie était parmi les plus fermes disciples du Christ. Sa foi en Christ avait été forte dès sa première rencontre avec lui. Il l'aimait profondément et il était beaucoup aimé en retour. Le Sauveur ne possédait pas de demeure. Il était heureux de se réfugier dans la maison paisible de Lazare et y trouver un accueil cordial, une amitié pure et simple. Il pouvait parler en toute simplicité, avec une liberté parfaite, sachant que ses paroles seraient comprises et gardées comme un trésor. Cependant, la douleur entra dans cette maison paisible où Jésus s'était reposé. Lazare se trouva subitement malade et ses sœurs firent dire au Sauveur « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade ».
Elles comprenaient la gravité de la maladie dont leur frère était atteint, mais elles savaient que le Christ guérissait toutes les maladies. Certaines qu'il aurait pitié de leur détresse, elles l'attendirent. Or, après 2 jours d'attente, Jésus dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus voulait retourner en Judée après avoir attendu 2 jours. En route vers Béthanie, Jésus, selon sa coutume, s'occupa des malades et des nécessiteux. Avant d'arriver, il envoya un messager prévenir les 2 sœurs. Il n'entra pas tout de suite dans la maison et resta au bord du chemin en un endroit tranquille. Les grandes manifestations dont les Juifs accompagnaient la mort de leurs amis et de leurs parents n'étaient pas en harmonie avec l'esprit du Christ. Le message fut apporté à Marthe d'une manière discrète. Cette dernière, le cœur agité par des émotions contraires, se hâta au devant du Seigneur. « Oh Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle ajouta cependant en regardant ce visage aimant, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus donna un encouragement à sa foi en lui disant, « Ton frère ressuscitera. » Aux paroles du Sauveur, « Crois-tu cela ?» Marthe répondit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis, elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le Maître est ici et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu ce message, elle se leva en toute hâte et alla vers Jésus. Ceux qui étaient venus pour la consoler la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Étant arrivée à l'endroit où Jésus l'attendait, elle s'agenouilla à ses pieds et lui dit en tremblant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce fut une scène lugubre. Lazare avait été très ému et ses sœurs, le cœur brisé, pleuraient sur lui. Et ses amis mêlaient leurs larmes aux leurs. Devant cette détresse, en voyant tous ces êtres pleurer sur la mort, alors que le Sauveur du monde se tenait là, Jésus pleura. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il avait revêti la nature humaine et était ému par la douleur humaine. La souffrance éveille toujours de la sympathie dans son cœur tendre et plein de pitié. Il pleure avec ceux qui pleurent et il est dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Cher ami, malgré leur chagrin, Marie et Marthe persistent à croire en Jésus. Son arrivée leur apporte du réconfort et de la joie. La foi les aide à entrevoir au travers de leurs larmes une vie future qui échappera à la seconde mort. La grâce réconforte les cœurs brisés, même lorsque les larmes coulent. Lorsque nous sommes déchirés par nos pertes, l'espérance et la joie sont tout aussi réelles et à notre portée. L'amour de Dieu nous sert fort en temps de malheur, ne l'oublie pas, cher ami. Prions. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions pour ta présence dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur. Aide-nous à ne pas oublier que tu te tiens à nos côtés et que tu es aussi dans l'affliction comme nous-mêmes. Aide-nous à tenir bon et à te demeurer fidèle malgré les circonstances. Et que ton nom seul soit glorifié et magnifié dans notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. À bientôt, cher ami. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.